Yo tout le monde, c'est Quentin X, on se retrouve pour l'épisode 21 de Sims Replay saison 2. Épisode 20, je ne me souviens plus ce qu'on a fait. Lundi 12h18. Donc pour certains, c'est les vacances. Moi, ce n'est pas le cas, malheureusement. Dans une semaine, ce sera le cas. Notamment lui, il est en train de venir, qui est en vacances. Enfin, il y en a plein d'autres, mais... Il y a eu trop de vacances. Pierre Haï a fini son travail et a été payé. Oui. Dormir d'un sommeil profond dans un... Je sais pas si c'est berceau ou lit. Dans un... Mais what? Ah, dans un lit. Oui, parce que... voilà. J'ai pas encore pensé à la chambre du bébé. Aussi, dans le dernier épisode, parce que voilà, sinon il allait pas être envoyé, vu que vous savez, maintenant, hein, si je fais des épisodes de plus que vous, au bout de 15 minutes et 9 secondes, on peut plus regarder. Ce qui est très étonnant. Porte de chaîne, pour une fois. C'est rare. Ça donne quoi? Ça arrive. Donc, on va aller dans la chambre du bébé, vu que personne n'y est allé pour l'instant. Oh, c'est beau! Donc, dormir d'un sommeil profond, je crois que ça dure 9h. 7h. Oui, bah je le ferai ce soir. Sauf que ça dure 2 jours. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Oui, bon, allez. Qui a vraiment sommeil? D'abord, on va inviter tout le monde. Ah oui, c'est vrai. T'es en train de s'installer, monsieur Fano. Amateur, un niveau 2 sur 8, disponible dès maintenant. Vous avez vu les chaussures, quoi? Oh non, mais punaise. J'ai dans l'armoire préparé un pudding au chocolat. Pudding, pudding, pudding. Alors, Lucas m'a dit il y a quelques minutes qu'il filmait. Ah, toi, t'as assez besoin de dormir. Sif, ça m'étonne pas qu'il y ait aussi besoin de santé. Ok, eux deux, ils ont besoin de dormir. Mais ils ont besoin aussi d'aller chier. Je voudrais prendre Bob. Et on va le faire aller aux toilettes aussi. Quant à Monsieur Fano, on va voir ce que rendent ces belles bottes. Je sais pas si je l'ai mis réellement sur lui. Bon, déjà, je vais voir si c'était un troll ou pas. Je pense pas que c'était un troll. Oula, vraiment. C'est au-dessus? Oh, c'est un troll. Troll. On se barre. Troll. Attends. Qui est troll? De toute façon, je pense pas que je lui aurais dit. Dites-moi dans les commentaires c'était que cette broutille. Oh non, je crois que c'était une pêche là, le poisson qui nous disait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 5 Sims? Oh, il y a un petit là qui... Il ne veut pas aller travailler. Enfin, je veux dire, c'est son jour de congé.
Ce qui est bien au moins dans cette ville, c'est que tu peux choisir si tu travailles ou pas. T'as aucune obligation. Monsieur Fano, allez aux toilettes. Bon, par contre, Monsieur Lennon vous laisse. Enfin, Monsieur 974. Allez, ciao, les bis. Les biceps. donc, Bob, tiens, toi, tu vas vite fait parler avec Pierre. Poppy, tu relètes. Du coup, il y a tout le monde qui est occupé. Je propose qu'on fasse zoom sur Monsieur Fano. Et regardez ce qui peut ne pas être réel. Voilà, il se remet direct en place. Ça, c'est irréel. Je te vois, Monsieur Fano. Est-ce qu'il connaît Sifano? Ah non, il ne connaît pas. Bon bah, c'est parti pour la connaissance. Et en fait, j'ai vu en fait Monsieur Bob et Barou. Donc je vais remettre ça tout de suite. Enfin, tout de suite après, plutôt. Elle va prendre un petit massage rapide. Là en fait c'est cool parce qu'on a beaucoup de mecs et donc du coup je dois avouer qu'on est un peu perdu. Oh, je suis bientôt niveau 10. Ça passe tellement vite. Je vais voir quelle quête on a débloquée au niveau 10. Pierre, toi aussi tu connais pas Bob Lennon. Va aux toilettes. Donc vas-y, qu'est-ce qu'on a comme quête? On a immobilier avec vue sur mer, niveau 10, l'île mystérieuse. Et à la recherche des objets perdus. Ok. Bon, d'abord, faudra faire le truc immobilier. Monsieur Fano, restez ici. Monsieur Fano! Où il est Où il est, monsieur? Ah, il est là, monsieur Lennon. Monsieur Lennon, il est là. Tout le monde cherche à communiquer avec lui, là. T'as envie de dormir, mon gros? Ouais, toi, tu connais à peu près tout le monde. Ah si, il connaît Pierre. Oh, ça m'a fait peur. Bah, il connaît tout le monde. Du coup, c'est lui qui va dormir le sommeil profond. Je propose que d'abord, pendant 4 minutes 30, tu vas regarder la téloche. Autant pour moi. Il elle va manger des restes. Ouais, le frigo est dispo. Monsieur Pierre, toi tu vas te laver les mains. Non, prendre une douche. Douche rapide. Ils ont bientôt terminé. Allez, monsieur, reste. Encore un peu. Youp. Du coup, Bob, là, il connaît qui? Il connaît Poppy, je crois. Ah non, il connaît pas Poppy. Bon, après, il lui reste quel? Pierre. Ouais, il connaît tout le monde après. Il connaît pas Poppy, c'est tout.
Sif. Je suis Sifano. Je vais revenir là. Rejoindre. Là, ils vont regarder sur le canapé. J'arrive, Fanta. Comment ils sont synchro, mon dieu. Pierre. Prends un peu des restes. Tu peux pas prendre des restes, là. Non, c'est... Ah... Fais-toi un petit expresso. J'oubliais totalement l'expresso. Qui permet de remonter le ZZZZZ. ZZZZZZZ. Monsieur, deux minutes. Et donc, Madame Poppy Game, tu vas te mettre là. Elle s'est déplacée en sol, en fait. Non, enfin, non, c'est pas du tout comme ça que ça se dit, mais bon, on s'en parle. Du coup, Bob, là, il connaît quasiment tout le monde. Pierre, toi, du coup, tu vas prendre des règles. Donc, maintenant, la place est libre. Et on va regarder un peu. Il connaît tout le monde. Normalement, il connaît 4 personnes. Lucas. Après, c'est bon. Ouais, il est en amitié tout normal avec Sifano et Pierre. Et Fanta, il est en amitié sincère. Moi, toi aussi. Alors, regardez le mal fait, le troll de chez Troll. Il revoit le canapé. Non, le pire, c'était il s'était assis. Attendez, parce que là, on voit rien. Il s'était assis là sur cette chaise et il avait regardé la télé. Alors qu'il regardait logiquement le mur. Et qui est maintenant remplacé par une table avec des feux un peu de couleur. Donc, je sais, c'est pas très. Bon, elle va se faire un double exprès. Non! Oh, bah si, en fait. Non, lui, il va prendre des restes. Voilà, le mal fait, c'est bon, c'est fait. Non, c'est bon. Donc, madame, elle va faire un petit express. Express, ça. Il est quelle heure? Il est 12h31. Bon, toi, t'as terminé quand? Ok, bientôt. Donc, c'est un peu, on remonte les soins des autres. Je vais dormir dans son monde. Préparer un pudding au chocolat. C'est vrai que ça, j'ai oublié cette carte. Les autres, je peux pas les faire. Donc, toi, on va aller vite. Fuck. Va regarder ce que je vais faire avec lui. Tac, 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 et fuck. Oh, il a dit fuck. Oh, c'est comme... Yeah. Donc il va attendre derrière madame. Terminé. Ok. C'est bon, il a terminé. Alors, monsieur Fanta, monsieur Fantasy. C'est vrai que... Non, c'est toi qui vas dormir. Tu dors le sommeil profond. Je vois que le bébé du bébé, ça coûte à mort. Avant déjà, ça coûte à mort le berceau du bébé. Et que ça coûte 6000 en fait. C'est exagéré. Oui, bon. On met Monsieur Fanta.
Ah, faire le petit double expresso et bye.